Bonne soirée, la gang! Mais oui, on a sorti le manteau d'hiver. Il commence à faire froid. Donc, j'ai essayé de faire la vidéo un peu plus courte ce soir. Je parlais, mais j'ai réfléchi ou j'ai entendu aujourd'hui dans mes oreilles, dans ce que j'écoute d'informatif puis d'inspirant, qu'on est, en tant qu'humain, on aime beaucoup le oui. On aime beaucoup le non. En effet. Donc, on aime beaucoup le non et on a peur du oui. Donc, on est souvent en train de se dire, oh non, je serai pas ça, ou oh non, ça me tente pas, ou oh non, je suis pas sûre que c'est pour moi, ou des choses du genre. Mais quand on est rendu à dire oui, ça peut faire peur parce qu'on a peur de qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. Qu'est-ce que le fait de dire oui nous engage à? Donc, on a souvent peur de dire oui, d'accepter, de partir sur un nouveau parcours ou une nouvelle décision. Donc, réfléchissez un peu à cette chose-là, puis quand on vous demande une question, peut-être osez dire oui des fois. Je sais pas si vous, ben, j'allais dire, je sais pas si vous vous souvenez. Non, vous le savez pas, mais j'ai déjà eu comme voyons, comment se compte ça, le 1er janvier, là, on a une chose qu'on aimerait faire pour la prochaine année, puis changer. Puis, moi, une année, j'avais décidé que j'allais dire oui à toutes les invitations que j'aurais de sortie entre filles ou peu importe. Toutes les invitations de souper ou autres, j'allais dire oui. Donc, j'allais tasser les excuses de côté pour dire oui, puis voir où est-ce que l'aventure m'a amené avec ça. Puis j'ai eu des super beaux moments, des super beaux souvenirs qui se sont créés grâce à ces oui-là. Donc j'ai osé dire oui à des trucs ou à des personnes que j'aurais peut-être pas côtoyées, puis finalement que j'ai côtoyées parce que j'ai pris le risque de dire oui, puis d'aller à cette invitation-là. Donc, un peu comme le film, je pense que c'est l'année d'après que le film avec Jim Carrey est sorti, là, Yes Man. Donc, c'est justement de prendre la chance parfois de dire oui, puis de voir où est-ce que l'aventure peut nous amener. Donc, arrêtez d'aimer, ben pas arrêtez d'aimer le non, mais soyez peut-être un peu plus, ayez un peu plus de guts, puis ayez un peu plus, osez un peu plus dire oui à la vie. Puis au projet qui pourrait sortir de ce oui-là. Donc, partez à l'aventure, puis acceptez de dire oui. Salut, bonne soirée la gang.